Eric Jaille. Je prépare le rhum. C'est qu'on est en train de préparer le bateau et c'est beaucoup de travail. Le rhum, la boisson, c'est la finalité. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Le goût du risque, l'aventure. J'ai déjà fait le rhum, mais c'était en permanence dans du stress, dans de l'inquiétude, dans la programmation des pannes. Que là, avec Oj, eh bien, on arrive à se dire non, ça se passera pas. En étant capable de retrouver toutes ces émotions, de vivre toutes ces émotions, avec tout ce que tu as à bord, les outils, les matériaux, et il faut que tu fasses, faut que tu inventes. Partage des émotions. Longitude 180, ce sont des passionnés. Ce sont des passionnés de mer, ce sont des passionnés d'animaux marins, ce sont des passionnés de nature, ce sont des passionnés de la vie naturelle, de la vie sauvage. Et Oj, c'est réellement la vie des émotions. Quand tu croises un animal, là, t'es sur ton petit bateau et tu les vois, et c'est leur vie, c'est leur univers, et c'est seulement magnifique. Et là, tu as une émotion, et j'aime bien discuter avec elle. 93-94, je me suis retrouvé au milieu de l'Atlantique, dans la mer des Sargasses. En fait, c'est un corridor où les courants tournent. Et tourne autour. Donc en fait, au milieu, il y a plus de courant. Et donc en fait, toutes nos saletés sont ramenées au centre de ce courant. Tu navigues pendant des jours et des jours dans les détritus de la planète. Ce ne sont que des plastiques, ce sont des plastiques qui flottent. Il y a des choses de dingues qui sont là, avec les tortues qui sont en train de se noyer. Attention, ça c'est dangereux ça. J'écoute la nature. Et ça, c'est bien. I love Josiane et Josette. I love Josiane et Josette.